suis bloqué. Ah, ah bah voilà. Eh bah ça fait plaisir. Oh, attends, ça je m'en fous un peu hein. Oh non, 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 mange pas. Non. Oh purée. Eh ben voilà qu'on est officiellement cannibale. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite voix off avant de commencer cet épisode, parce que vous allez voir que je fais référence en fait à une prochaine mise à jour. Il faut savoir que j'ai tourné cet épisode le jeudi 28 septembre, d'accord. Et en fait ce jour même, eh bien le patch numéro 12 sort. Donc au moment où je tourne la vidéo, je suis pas encore au courant, je pensais que ce serait la semaine d'après. Donc évidemment vous voyez cet épisode normalement si vous regardez la sortie de la vidéo, nous sommes le samedi, samedi 30 septembre. Et du coup le nouveau patch est déjà sorti, mais du coup bah, dans cet épisode je n'en ferai pas référence et je suis toujours sur le patch précédent. Donc voilà, comme ça vous le savez, faites pas attention à ce que je dis par rapport aux mises à jour. Et moi je vous embrasse et je vous souhaite un bon visionnage parce que cette vidéo est vraiment géniale. Avez-vous déjà vu un mec qui a pas joué depuis une semaine et qui va probablement affronter des boss et qui va galérer? Eh bien, bientôt oui. Eh bien, salut toutes et tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 21ème épisode de Sons of the Forest. J'ai fait une petite sauvegarde ici avec cette tente. Mon inventaire, eh ben on est un petit peu dans le caca. Voilà, on est un petit peu dans le caca, étant donné que niveau munitions, on a 18 munitions de chevrotine, mais... on n'a pas de chevrotine, on est bien d'accord hein. Bon, on a ainsi 47 munitions de balles pour les pistolets. Pistolet parisien en 14, 9mm 16. Et voilà, fusil, bon de toute façon j'ai pas de fusil sur moi. Ah si, j'en ai un là. Voilà, j'ai 2 balles de fusil. Bon, heureusement j'ai l'arbalète. Mais l'arbalète, encore faut-il avoir des flèches. J'en ai 16, ah non, j'en ai 12. Voilà. Bon, bah écoutez, on n'est pas sorti de l'auberge puisque les amis, évidemment, aujourd'hui pour cet épisode, vous l'avez compris, on est donc dans ce bunker. Ah oui, non mais c'est pas ça, c'est aussi niveau nourriture et boisson. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai une seule boisson énergisante, plus beaucoup d'eau propre et que dalle dans mon flacon. Ah voilà, bah on a l'air con comme on dit. Écoutez, c'est pas grave, je vais manger de la nourriture pour chasse, ça fait toujours plaisir. En tout cas les amis, merci beaucoup pour vos commentaires sur la dernière vidéo. J'ai pas eu le temps pour une fois, je pense que ça va pas aller en s'arrangeant mais... de vous répondre, mais par contre vous lire comme d'habitude c'est un énorme plaisir et je vais faire référence à vos commentaires par la suite quand on sortira de cette grotte, enfin de ce bunker, si nous arriverons à sortir. Bien sûr, n'oubliez pas le pouce bleu. Voilà. Alors attendez, on va prendre l'arme de poche, je sais plus comment ça va se passer. Voilà, on descend par ici. Je sais pas dans quoi on s'embarque. Enfin si, je m'en souviens un petit peu. Oh ça c'est pas mal ça. Ah non, il n'y a pas de nourriture, dommage. Bon, les piles au moins, ça ripop. C'est pas par là, voilà, encore une fois j'ai oublié. Ça fait une semaine que j'ai pas joué. Mais de manière générale ça fait une semaine que je n'ai pas touché un ordinateur. C'est surtout ça la subtilité de la blague. Donc je sais pas comment on va faire. Mais attendez, je viens d'ouvrir ça là. Je viens d'ouvrir ici. Alors faut que j'aille où? Je dois être complètement débile. C'est ici que j'ai ouvert. Ah, je suis censé aller là. Je suis complètement con. Allez, n'oubliez pas le like. Wouah Timmy. Get down, son! Alors par contre, ça fait trop plaise. Ça fait trop plaise parce que ces deux individus qui sont venus derrière... on est bien d'accord? Les deux individus qui sont venus derrière, eh bien ce sont les mêmes... Ah! Vous l'avez vu? Je parle bien de mon cul. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Attends. Voilà, hop, ça fait un carreau d'arbalète usé pour rien. Alors il m'a l'air un petit peu bugué. Attendez, il faudrait que je fasse des raccourcis dans mes trucs. Mais vas-y, la flemme un peu là hein. Comment ça j'ai pas de munitions? Recharge. Il est fou lui. Monsieur. 1, 2, 3, 4. Oh là là, 5, 6, 7, 8. Oh oh. 9. Ok, j'ai compris. Ok. Aïe. Oh, et maintenant on me respecte un peu. Je vais faire comment là? Attends, vas-y, excite-toi si tu veux. Voilà, allez hop, suce mes boules.
Je récupère mon carreau, je le dépece, je vais passer à travers le vide. Je sais pas pourquoi je la sens venir cette histoire. Ok, c'est bon. Donc les individus qu'on a vus... Oh, c'est moi qui ai bloqué. Allez, c'est la fin de l'aventure. Merci à tous, bonsoir. Ah, je suis bloqué. Ah, je suis mort de rire. Mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Je suis bloqué. Oh, ah bah voilà, c'est bon, j'ai réussi. Oui, du coup, les individus qu'on a vus derrière. Alors bien sûr, le monsieur avec son vêtement réfléchissant, on l'a vu au début, à chaque fois, toujours au premier épisode, il nous massacre la gueule au début. Mais aussi, c'est ceux qui ont plongé avant qu'on affronte les mini-boss des Puffton. Souvenez-vous, voilà, d'ailleurs, c'était Théo Camio qui avait fait justement référence à ça. J'ai soif, je fais comment moi? Écoutez, bah, je vais boire le reste d'eau qui me reste en fait. Hein. Mais bref. Donc en fait on comprend toujours pas forcément tout, hein, je peux comprendre, mais on comprend de mieux en mieux grâce aux éléments d'histoire qui se rajoutent. Donc déjà on arrive à faire le lien entre les personnages et ça c'est plutôt pas mal. Alors, là, on va un petit peu moins rigoler. Ce qui fait quand même vachement sombre. Hein. J'ai un petit peu moins peur que la saison 1. Ah, ah bah voilà, eh bah ça fait plaisir. Oh, attends, ça je m'en fous un peu, hein. Je n'hésitais pas à mettre pause. Il y a une arme par terre. Aïe. Impossible. Impossible de quoi? De porter plus de pistolets? Ah, c'était pour poster un... c'était pour porter un pistolet. Fous de ma gueule lui. Ok. Oh merde. Ouais ouais. Fais le malin. Merde, une balle à côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai plus de mun. Allez, salut. Ok. Là, j'ai plus de munitions de pistolet. Hein. Je dis ça, après, je dis rien. Après, c'est pas... c'est... faut pas le prendre personnellement. Je dis juste qu'on est dans la merde. Hein. C'est tout. C'est pas... voilà. Impossible de porter plus de pistolets. Mais je m'en fous, moi, de tes pistolets. Je veux des munitions. Je veux des... c'est quoi, ça? Oh, non. Non, non. Mange pas. Non. Oh, purée. Eh ben, voilà. On est officiellement cannibale. Je viens de manger un bras. Ça fait plaisir. Est-ce que je peux faire des molotovs? Oui, je pense. On va en profiter, comme ça on récupère de nouveau de l'alcool. Oh, purée de pommes de terre, je suis cannibale. Oh non. Oh, c'est chiant ça, c'est chiant, c'est terrible. Bon. Ça y est, je suis full. Comme ça, je peux de nouveau récupérer à boire. Enfin non, pas à boire, mais bon, t'as compris. Alors, on a... ah, des munitions. Et est-ce que ces munitions-là, je peux les utiliser pour le pistolet? Oui. Je peux. Superbe. Oh. Oh, une barre énergétique. Moi je veux à boire. Une barre énergétique. Ah, eh ben je vais la manger. Bon, j'ai assez de nourriture, mais c'est à boire en fait, hein, qui va être un peu problématique. Voilà. On a un petit document ici. Safe in cube. Bien sûr, on est en sécurité dans le cube. On l'a bien compris. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'on finira dans le cube. Pas récupérer ça. Ok, on évite de passer à côté de quelque chose, hein, genre une localisation GPS, ce serait fort dommage. Hein, j'ai vu une croix. Ok, bon bah voilà, allez c'est parti. Eh, je suis un petit peu plus serein quand même que dans la saison 1 ici, hein, je m'en souviens. Mais ça a peut-être pas duré longtemps. Alors je mange toujours ce que j'ai en trop. Comme ça au moins on fait pas de gâchis. Et voilà le travail. Monsieur, encore un document. Classifié. Département of Mathematics. D'accord. N'hésitez pas à émettre vos hypothèses en commentaire. Comme dit, je parlerai de vos commentaires du dernier épisode parce qu'ils sont très 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 intéressants pour le coup. Non pas que d'habitude ils ne le sont pas, mais là vos commentaires sont très intéressants. Donc on en parlera tout à l'heure. Je les ai notés avec vos pseudos parce que je suis un amour. Attends, ça va me sauter à la gueule. Bonjour monsieur. Ah, ils me font moins peur, eux, hein. Ils me font moins peur que les mutants, hein. Tiens, en parlant de mutants... en parlant de mutants... oh là, oh là, oh là. Eh, les gars, on joue à Cola Maillard. Aïe, 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 aïe. C'est bon, je rigole. Oh là 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 là, vous êtes moche, en plus. Oh là. Bien vu la feinte. Bien vu la feinte. Ok, il en reste un.
Il en reste un. Putain, mais on voit rien, frère. Moi. J'adore ce jeu. Allez, c'est parti, mon kiki. On récupère, on dépece. Comme ça, on se refait de l'armure en plus. Et ça tombe bien parce que là, au moins, on a un petit stock. Hop, voilà. Je me mets jamais full hein, parce que ça part très vite. Donc, ça sert à rien. On est juste là pour se protéger. Hop, on récupère. Hein. Surtout, on fait aucun gâchis. Voilà. Hop. Bon, ici, normalement, c'est pas la fin du jeu. Hein. Vous me l'aviez confirmé en commentaire également. Mais je m'en souviens, c'est pas la fin du jeu, rassurez-vous. Mais c'est juste la dernière étape. Oh là là! Je vous ai fait peur. Vous aussi. Ah! Monsieur? Monsieur? Un câlin? Oh, comment je t'ai dégomme? Comment je t'ai dégomme-gomme? Allez. Très mauvaise idée de faire ça maintenant. C'est bon, personne m'attaque. Là, je vais me faire attention, screamer, maintenant. Ok, c'est des bébés, ils sont bloqués. Oh, j'ai récupéré un putter. On va pouvoir jouer au golf. Trop cool. Les bébés. Et deux pour le prix d'un. Attends. Non, c'est bon. Alors, une ampoule. J'ai des ampoules au pied à force de marcher aussi. Good news. We have managed to find both the club and the golf balls. Ouais, ils ont trouvé les trucs de golf. Donc c'est parfait parce que souvenez-vous, il y avait un débat. Ils trouvaient plus les balles. Et ben voilà, on a récupéré la balle de golf. Oh, à boire. Magnifique. Il y a plein de balles. Trop bien. Et on peut imprimer. Alors attendez les gars. Eh. Hey. Ah non, on peut pas imprimer. Hein? Flèche. Moi, c'est pas des flèches que je veux. Ah merde, je pensais qu'on pouvait faire les carreaux d'arbalète. Ah, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Je voulais faire des carreaux d'arbalète. À boire. Non, c'est à manger. C'est pas grave, c'est très bien aussi. Ok, encore un papier. Oh là, bah n'hésitez pas à décrire. Eh, hey, je suis sûr qu'on va pouvoir... Il y avait pas ça dans la saison 1. Je ne sais plus. Quand je dis la saison 1, pour ceux qui me découvrent, je parle bien de la saison 1 de mon let's play. Donc en fait, quand le jeu était sorti directement, hein, il n'y avait pas encore beaucoup de choses. Encore aujourd'hui, c'est pas toujours non plus forcément rempli de partout. Mais je crois pas que je me souviens pas d'avoir vu ça. On pourra peut-être déchiffrer quelque chose et avoir un code à la fin, bien sûr. Ok, bah écoutez, continuons. Hein, continuons. Et moi, je monte. Rien à péter. Ok, bah je descends alors. J'ai compris. Personne ne m'aime. Ok. Ouh là là. Level 2. Attends. J'aime bien toujours aller là où il faut pas aller. Ah. Ouh. Ouh. Ok. Ok, d'accord. Ok. Ah oui, je peux pas utiliser ça. Alors attendez, c'est pas grave. Oh, j'ai une idée. Je suis un génie, regardez bien. Et là. Et là, je suis un putain de monstre. Et voilà. Ok, j'ai le... Hey. Pourquoi j'y ai jamais pensé avant? Oh purée, on voit à travers, c'est formidable ce jeu. Ah, je suis mort de rire. Moi, j'ai pas vraiment eu le temps de tout voir, mais si vous mettez pause, à mon avis, vous voyez tout. Hein. C'est génial ce que je viens de faire. Paralyser, s'il est tout seul, tu le paralyses. Hein. Plutôt que le brûler, au moins, bah, il bouge pas. Et puis pendant ce temps-là, tu le cut. Et il y a rien à récupérer ici, très bien. Et attendez les gars, il n'y avait pas un katana à récupérer dans la saison 1. Attendez, j'ai le seum. Est-ce qu'ils ont changé de place le katana? Il y avait un katana ici les gars, je m'en souviens. Je me disais encore avant de commencer l'épisode parce que je me souvenais plus vraiment de ce qui m'attendait, mais je me souviens qu'on pouvait récupérer un katana. On se fout de moi? Ou je suis passé à côté, et heureusement que j'y pense, et que je fais demi-tour. Parce que si je passe à côté, par contre, c'est chiant, hein. Faut que je recommence tout. Hein. Ok, il n'y a pas d'autre porte. Là, ici, on... J'ai pas tout fouillé. Et si je trouve le katana là, franchement...
Non, y a pas de katana. Peut-être que c'est après. Non, y a le pistolet là. C'est peut-être après. Oh, un drone DJI, excellent. Excellent. Bon, d'accord. Bah écoutez, ma foi, j'ai pas compris. Ils ont peut-être déplacé le katana. Ou peut-être qu'il était pas là. Mais ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre et j'ai tendance à dire que le doute m'habite. J'adore dire cette phrase. Allez, c'est parti. On continue, level 2. Ah bah oui, c'est peut-être là le katana en fait, je suis con. Y'a quelqu'un? Y'a personne. Y'a personne, y'a son père. Y'a que dalle surtout. Y'a que dalle. Voilà, un ordinateur éteint. Oh, des munitions de balles, ça, ça fait plaise. Du poisson, un crâne, une casserole. Un katana? Pas ici. Pas ici. Oh là là, il y a des drôles de bruit quand même. Hein. J'espère que le son est assez fort pour vous. Pas trop non plus, mais il y a des drôles de bruit. Hein. Bonjour monsieur. Très rassurante la madame qui parle. On se croirait dans une station spatiale. Allez, je cours. Et le katana. Oh, oula. Attends, je le prends tout de suite. Voilà, regardez le katana. Donc je ne suis pas fou. Il y a bel et bien un katana. Et là au moins. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Bah ouais. Bah ça l'a one shot en fait. Hein. Je vais couper la jambe et puis. Ok, merci. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a là? Market observation, bien sûr les parts de marché qui augmentent. Et encore ça descend. C'est quoi le blanc là? Start of bidding war. La guerre bidding. C'est à dire quoi la guerre bidding? Oh, ça peut répondre à pas mal de questions. Par contre ouais, c'est quoi la courbe blanche? J'aimerais bien savoir, c'est les différentes courbes. Ah bah c'est Sahara Therapeutics. Oh putain. Et ben voilà. Souvenez-vous dans The Forest. Oh putain, mais c'est incroyable les gars. Il n'y avait pas ça dans la saison 1. Dans The Forest, sur l'île. Bon, je vais spoil hein, pour ceux qui n'ont pas connu. Donc n'hésitez pas à passer de 10 secondes si jamais. Mais dans The Forest, le premier jeu, c'était Sahara Therapeutics. Donc qui ramenait les morts à la vie. D'accord? Globalement. Hein. Et là, les parts du marché, visiblement, descendent. Depuis que la Puffton Corporation est en train d'augmenter. De monter, tu vois. Et en gros, les Puffton, je sais pas qu'est-ce qu'ils font encore. Avec ces histoires d'artefacts. Je sais pas, on a toujours pas compris ce qu'ils font. Est-ce qu'ils font peut-être la même chose? Ils remettent les morts en vie? Je sais pas. On sait pas encore. Mais du coup, ils se font la guerre. Si j'ai bien compris. Oh putain, c'est incroyable. Eh. Je suis un étudieur de marché, moi. À boire, ça fait plaise. À manger. Je ne veux pas l'aumône. Je ne veux pas déranger. Putain, j'ai un katana. Si ça one shot vraiment tous les trucs là, on est vraiment bien. Ah ouais 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 mon pote. Ah je vous le dis. Ah je vous le dis. Ok, ça a l'air safe. Enfin, ça c'est encore vite dit. Bon, ça casse pas le ballon hein. On a une combinaison spatiale. Mais il y avait pas ça dans la saison 1. Et oh parfait. Bunker de luxe, bah ça va être le bunker final ou pas, je ne sais pas. Ou peut-être qu'on l'a déjà visité ce bunker de luxe, j'en ai aucune idée, on l'a peut-être déjà visité. En tout cas, nous l'avons découvert cette nouvelle localisation et ça, ça fait plaisir. Ok. Un couteau. Et non, c'est une cuitochette. Ok. Tout devient sérieux d'un coup là. C'est quoi cette musique? Pourquoi ça devient sérieux d'un coup là? Oh là. Alors ça c'est nouveau ça. Regardez. C'est Timmy. C'est Timmy là. Timmy, qu'est-ce qu'il fait Timmy? Il essaye d'ouvrir la porte. Ah mais c'est la porte qu'on a ouverte. Et où on a vu qu'il se faisait défoncer, etc. D'ailleurs on espère qu'il va bien du coup avec son père. Incroyable. Donc c'est-à-dire qu'il y a une salle de... Oh je viens de lui ouvrir la porte. Non c'est en direct. Oh putain, je viens d'ouvrir la porte. Je viens d'ouvrir la porte. Waouh, je suis en train de découvrir un truc que ça se trouve tout le monde connaît déjà, mais moi je pour moi c'est nouveau ça là. Hein. Je viens d'ouvrir une porte à Timmy, ok.
Bah ça doit être le bunker final ou quelque chose comme ça. C'est sûrement ça même, c'est le bunker final. Peut-être. Ok. Mais c'est génial. Eh, fini le jeu pour moi, Timmy. Je veux pas aller plus loin, moi. Ok, ou c'est peut-être justement la salle où on va aller, je ne sais pas. Je... Oh, il fait sombre, là. Un bébé. Viens, bébé. Ah ouais, là, je le one-shot, au moins. Par réflexe, je mets plusieurs coups, mais un coup suffit. Et c'est surtout que c'est pas mal à moyenne distance, tu vois, t'es pas obligé avec le petit couteau de t'approcher d'eux. Là t'as le long katana, donc normalement d'ici. Oh bah voilà. Les deux je les déglingue en même temps quoi. Et ça c'est chouette. Oh. Ok. Ok. Et on va continuer de descendre hein. Oh putain. Vous avez soif? Ouais t'inquiète je sais. Oh là, j'ai jamais connu cette porte moi là hein. Je suis jamais allé là. Oh. Ouh. Attends. Oh putain de merde. Ah si, je m'en souviens du coup. Il est mort. C'est bon, il est mort. Non, il est pas mort. Que dalle qu'il est mort. Il est pas mort du tout. C'est moi qui suis mort là, ouais. Recharge. Oh purée de pommes de terre. Oh putain, je t'ai tasé, t'as rien compris à ta vie. Là il est mort. Là il est mort et je devrais plutôt, parce que là j'ai un mauvais réflexe. Le katana il est où? Je vais le mettre en raccourci là, à la place du petit couteau là. Parce que là je l'aurais déjà achevé hein. Je l'aurais déjà achevé hein, avec le katana, mais j'ai eu le mauvais réflexe là, ça fait quand même une vingtaine d'épisodes que j'utilise la même arme. Ok. Oh purée de pommes de terre. Bon. On est dans une salle d'opération. Ouais mais c'est ça, je pense qu'il les ramène à la vie ou un truc comme ça. Ok, on récupère le masque d'or. Incroyable. Et la vie est plus belle. Alors on a un petit bouquin. Livre sommeil profond. Deep sleep. Et non pas les sleeps profonds bien sûr, ça n'a rien à voir. Ça c'est pour mettre le gros paquet dedans. Alors, la très très bonne musique. Mais on va l'éteindre. À boire. Non, c'était à manger, pardon. Je suis con. En plus je le sais hein, je... Alors, il n'y a rien à récupérer ici, ça n'a pas changé, il y a juste des cadavres. Je préférais presque Sahara Therapeutics. Ok, bon bah écoutez, on va prendre la GoPro. Ah, je ne peux pas prendre la GoPro. D'accord. J'ai des médocs. Je peux pas prendre la GoPro hein. Mais attends, mais moi il faut que je voie. Attends, comment je fais moi? Caméra d'action, j'en ai une là. Ça j'ai déjà vu. Ça on avait déjà vu je crois. Oui, c'était sur le voilier, on avait vu. Ah ça on a pas vu ça. On avait pas vu ça si. Ah si si, le mec qui se fait son omelette. Après ils font la chasse aux cannibales je crois avec leur fusil. Ouais voilà c'est ça. Ok. Et donc voilà, c'est les trois qu'on a vu. Mais là je fais comment pour récupérer celle là Mais attends, comment je fais les gars? C'est trop de la... Mais c'est mal fait. Bon ok. Ok. On va faire une petite sauvegarde hein. Vous connaissez la technique, ça change pas parce qu'il y a une porte à ouvrir. Et là maintenant je pense qu'on va faire un petit checkpoint. Là je vous fais cadeau quand même, parce qu'il me semble, je ne suis pas sûr, il me semble que dans la saison 1 j'avais arrêté mon épisode ici. Et là on va continuer parce que je suis un amour. Et évidemment ça fait que 20 minutes et j'ai envie de jouer aussi, bordel. Voilà, je vous dis, j'ai envie de jouer. Voilà, j'ai sauvegardé, je vais quand même reprendre. Non, je vais pas dormir, j'aimerais juste reprendre la bâche si c'était possible. Voilà, merci pour votre collaboration. Allez, c'est parti, on ouvre. Ta gueule. Allez, mais en plus, il n'y a plus de lumière, frère. Vas-y, mets les piles. Oh là là. Tac. J'ai plus de piles. J'ai plus de piles. J'ai plus de piles. Bon, bah. Eh bah, salut, hein.
J'ai plus de piles. Ah, je suis mort. On peut même pas utiliser les lunettes de vision nocturne, il faut des piles aussi. Oh non. Saloperie. On va faire ça à l'ancienne. Oh là là. D'accord. Oh my god. Ok, bon, vous savez quoi? Non, c'est pas ça. Il y a des bruits que j'aime pas vraiment. Elle est où ma lampe torche là, mon truc, mon flambeau, voilà. Ok. Putain. Oh my god. Oh my god. J'aime pas vraiment. J'aime pas vraiment. En même temps, je vais passer à côté de rien. Oh non. Attendez, on va relancer un... Toujours faire ça avant de sauter, hein. Ok. Je reprends mon flambeau. Oh là là. Oh, c'est une sortie. Même pas. C'est même pas une sortie de grotte à tous les coups, les gars. Je suis dans la merde. Oh si, c'est une sortie. C'est une sortie. Il fait nuit. Et il y a le même bruit que l'autre fois. Bon. On va rentrer. On va rentrer. Il y a bel et bien un hélicoptère du coup qui a dû décoller. Et je pense que du coup... Il y a des bruits et tout, j'ai soif, attends. Oui, mais là le problème c'est que si je bois une boisson énergisante, je vais pas pouvoir dormir, donc on va pas boire, tant pis. Dis-moi que je peux poser la tente là, s'il te plaît. Oh, je peux même pas poser la tente, frère. Bon, je vais la poser dehors. Ok, là je peux. Arrête de faire du bruit, toi. Oh, je me chie dessus. Allez, dors. Tais-toi. Ok. Allez, maintenant on boit, t'inquiète, on va boire. Oh mon dieu, les gars, c'est complètement dingue. Je suis trop content de leur mise à jour, parce qu'on en comprend beaucoup mieux, franchement. Parce que vous savez déjà qu'à la fin du jeu, ils vont venir avec un hélicoptère. Donc là je spoil évidemment, mais on le sait, on l'a vu dans la saison 1. Ça, ce qui est dommage d'ailleurs d'avoir sorti le jeu comme ça au final. Mais on sait qu'à la fin ils vont nous récupérer ou pas, mais avec, ils vont venir avec un hélicoptère. Et là on a entendu l'hélicoptère partir. Ça sous-entend donc que les deux là, Timmy et le fils qui se sont bagarrés là quand on est rentré dans la salle tout à l'heure, bah, c'est-à-dire qu'ils sont sains et saufs probablement. Ils sont partis en hélicoptère et ils vont revenir par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je pense que vous avez compris, hein. Vous êtes pas con. Ah, c'est cool, j'adore. Du coup déjà là, on comprend quand même beaucoup mieux le scénario. C'est quand même beaucoup plus logique. Parce que tu dis mais à quel moment ils reviennent avec un hélicoptère? Tu sais pas comment ça se fait machin. Salut Virginia. Et du coup on est là. Et l'entrée était là. Et donc le deltaplane est par là-bas. On va pouvoir le reprendre, hein, pour pourquoi pas. Mais attendez, d'abord je vois quelque chose là-bas. Et c'est magnifique. Il y a plein de biches. Et il faut de la peau d'animal en plus. Attendez, ça tombe super bien. Ça, il me faut de la peau d'animal. Alors regardez les amis, c'est un petit peu cruel. Voilà, j'ai tiré à côté, bien évidemment. Complètement con. Hop là, Bambi. Oh, Bambi. Voilà, désolé, hein. Fallait que je me débrouille aussi, hein. À la guerre comme à la guerre. Bon. Voilà, comme ça, j'ai une peau d'animal. Et j'ai beaucoup de nourriture, surtout. Je sais plus pourquoi j'ai besoin de peau d'animal, mais... Ah, c'est pour un tapis à la maison, je crois. Voilà, regardez ce beau bateau. Oh, il est beau. Attendez, on va faire un petit screenshot. Comme ceci. Hop. Ah. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à faire le screen. Oh, ils ont mis un pont ici, incroyable. On va reprendre le deltaplane, je vous rassure, je n'oublie pas. Juste qu'il y a un pont ici.
Ok. On est d'accord qu'on était déjà allé dans la grotte en face, hein. Me semble-t-il, hein. Oui, oui. Oh non. Ah, voilà. On avait déjà... Oui, on est déjà passé par là, de toute façon. Et en effet, la nouvelle localisation qu'on a débloquée dans, dans le bunker, regardez, c'est le point vert là-bas. Le bunker final de la fin du jeu. Voilà, tout simplement. Et, évidemment, on va pas y aller. Voilà, ne vous inquiétez pas, les amis, on va pas y aller. Merci, Virginia, pour ce petit poisson. Tu crois que j'ai assez de place? Ah ouais. Merci. Contente. Et, allez, on va essayer de récupérer, du coup, de nouveau le Delta Plan. Il m'a fait trop peur, le con. Delta Plan qui était par là-bas. Et maintenant on a un katana et ça c'est cool. Et du coup surtout on a débloqué l'accès à Timmy du coup qui est reparti en hélicoptère et qui pourra revenir nous sauver donc. Et ça, ça fait trop plaise. Hop. Patte du diable. Donc ouais, là on sait qu'on est à la fin du jeu. Et du coup c'est vrai qu'il est regrettable. Maintenant je comprends mieux aussi. Il est regrettable d'avoir un jeu aussi vide en réalité. Alors on va vraiment s'amuser encore, hein. Mais c'est vrai que quand tu finis cette grotte là, tu sais qu'après il en reste plus qu'une. C'est un petit peu chiant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on a toujours pas non plus les réponses à nos questions. On les aura pas forcément à la fin. Faut attendre encore plusieurs mises à jour. Quelque peu frustrant. Je sais plus où j'ai foutu mon delta plane. Hop, je récupère ça aussi. Parce que attendez, je suis rentré par là. Voilà, on est... Ah bah il est là le Delta Plan, voilà, parfait. Impec. Hop, je le prends, salut. Et on va se jeter, on va aller à la base, on va pas se prendre la tête, hein. On va clairement pas se prendre la tête. Je me souviens que là il y avait une sorte de falaise. Vous pouvez sauter si j'ai pas trop de conneries. En tout cas les amis, n'oubliez pas le pouce bleu. Putain. On est déjà passé par là. On est pas... Ah oui, on est déjà passé par là. C'est pas grave, moi je récupère, hein. Ok. Ok. Carreau d'arbalète. Je vais me faire charger par un élan. Ok, bah écoutez, on va se barrer. Parlons un petit peu du coup des commentaires. Et voilà, et j'aimerais vraiment que vous me dites en commentaire ce que vous en pensez du coup de cet épisode jusqu'à présent. Ce qui s'est passé dans le bunker, franchement. Je trouve ça très intéressant. Franchement, je me suis vraiment bien débrouillé en plus. Mais voilà, on va sauter d'ici. On va prendre notre envol et on va rentrer à la base. Zébardien. Ouais. Et hop, oh c'est magnifique. Hein, le jeu est beau. Qu'on se le dise, le jeu est beau. Et du coup on va refaire un petit peu le tour de l'île si déjà de toute façon notre base est vraiment par là-bas. Et comme ça on va passer par dessus le bunker final. Mais voilà, pour répondre aux commentaires, alors déjà il y a Hugo qui m'a proposé un truc de ouf. Gros big up à toi Hugo. Et ça n'a pas encore été fait, je crois. C'est d'aller au bord de la map et voir ce qui se passe. C'est quelque chose qu'on fait souvent dans les jeux vidéo. Sur GTA par exemple, vous savez, sur GTA 5, quand on prend l'avion, quand on prend n'importe quel véhicule, un bateau, et qu'on essaye de s'enfuir de l'île de Los Santos, bah tout simplement le véhicule plante et on meurt, mangé par un requin. Sur The Forest, je me souviens qu'on allait au bord de la map, ça nous disait vous ne pouvez pas abandonner Timmy et on revenait en arrière. Là maintenant, on sait pas sur Sons of the Forest ce qui se passe si on le fait. Donc hein, on fera ça, mais ce sera vraiment une vidéo spéciale à part, hein. J'ai vraiment envie d'en faire une vidéo et pas juste dans un épisode. Enfin on verra, hein. Mais je vais en faire une vidéo spéciale. Ça se trouve il se passera rien du tout. Mais voilà. Il y a Octoman qui me demande de chercher les autres bouts de l'artefact. Donc vous savez, l'artefact, je peux pas ouvrir mon inventaire là, parce que si je le fais, je tombe dans le vide. Mais l'artefact qu'on a trouvé, à mon sens, normalement, il n'y en a qu'un seul pour le moment. Faut attendre les prochaines mises à jour pour qu'il y en ait plusieurs. Donc, de toute façon, je peux pas faire plus pour le moment. C'est depuis le patch 11 à l'épisode 18, on a pu trouver un artefact. Donc pour le moment, on peut pas trouver les autres. Il n'en existe pas réellement. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est là que le jeu se terminera. C'est là que les hélicoptères atterriront. Et la grotte, le bunker final, donc, qui est juste en dessous, là. Et ben, si on regarde bien, d'ailleurs, on le voit là. Je sais pas si vous voyez le bunker, moi je le vois d'ici, hein. Je sais pas pourquoi, il y a un bug. Moi je le vois d'ici. Ah, je le vois plus. En tout cas, voilà. Bref, c'est sympa. Hop là, et on revole. Ah, oh, c'est vraiment chouette qu'on a de l'élan comme ça. Et notre base, elle est... Par là-bas, là il y a le terrain de golf.
Et vraiment, quand on fait du delta plane à force, et puis surtout, on a fait durant cette saison, je sais pas combien de fois on a fait le tour de l'île, mais on a fait beaucoup de fois le tour de l'île. Et en vrai de vrai, la map, maintenant, je la trouve super petite. Je la trouve super petite en vrai. Bon, on peut pas toujours tout demander, mais c'est vrai que ça me fait chier parce que du coup, au fond de moi, malgré les mises à jour qu'il va y avoir, je prends tellement de plaisir à jouer, mais voilà, on a fait le tour. Et il y aura plus jamais de grandes nouveautés à part des objets, des éléments d'histoire, mais la map sera la même. Ils vont pas l'agrandir, tu vois ce que je veux dire. Voilà, là on est au terrain de golf, là on a récupéré les batteries, et là on va monter la colline et on va se retrouver à notre base. Déjà, vous voyez. Alors on connaît la map quoi. Là il y avait les sites bunker A je crois, ou je sais plus quel. On est vachement haut hein. Hop, et on remonte. Oh là là, là on peut remonter dans la montagne quoi. Et ouais, les points jaunes en haut à droite du GPS, bah c'est là-bas qu'il y a notre base. Tout droit quoi. Enfin bref, donc voilà pour ce qui est de l'artefact Octoman, bah, ou Octoman, je sais pas si on prononce comme ça ton pseudo, mais voilà, il faudra attendre les prochaines mises à jour. Donc là en fait concrètement ce qui va se passer les amis, je vous le dis de vous à moi, de moi à vous, on va arrêter de faire des découvertes, des explorations, sauf quand il y aura les nouveaux patchs. Mais là on va pas aller dans le dernier bunker parce que ce sera la fin du jeu et je veux pas finir le jeu parce que ça va me faire chier en fait. J'aurais plus envie de continuer le let's play. Donc là on va vraiment s'amuser à faire des builds et des constructions, des trucs comme ça. Mais des jolis trucs hein. D'ailleurs je vais vous poser une question, ça va revenir au même, vous allez comprendre après. Et on a Elliot qui nous propose un truc pour notre base justement, mais ça va rejoindre ce que je vais vous poser comme question. Il m'a donné une bonne idée, c'est de mettre des renforts sous le plancher de l'étage pour pouvoir enlever les poutres. On va voir ça dans un instant. C'est vrai que c'est pas parlant là, mais vous allez comprendre. Hop, on arrive à notre base. Alors le GPS nous dit que c'est à droite, je comprends pas. Pourtant c'est bel et bien tout droit. Vous voyez, on voit notre base là, ça y est, on la voit. Ah oui, le GPS se corrige là. Trop bizarre. Eh, c'est génial. C'est génial. Franchement, le delta plane. Et là, on va atterrir sur le toit, ça va être parfait. Incroyable. On a fait le tour de l'île. Voilà, facilement, rapidement, sans aucun problème. Eh, cet épisode est génial. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore cet épisode. Et hop là. Et voilà. Oh, toi tu restes là, toi. Toi, tu restes là. Ce qui est cool, c'est que j'ai récupéré plusieurs batteries de golf. J'en ai deux. Voilà, c'est super. Donc déjà, je vais pouvoir en replacer une là en attendant. Ça me permettra d'en stocker. Après, on va mettre ça autrement et ailleurs. Hein. Mais j'ai pas un autre panneau solaire. Alors ça, hop, pour faire le tapis. J'ai pas un autre panneau solaire là, non. Bah du coup, attendez, c'est pas grave. Alors, voilà, Elliot proposait... non, pas Elliot, pardon. Si, Elliot proposait de mettre des supports là-haut. Ah, mais ça va être compliqué. De mettre des supports là-haut, ce qui permettrait d'enlever les poutres là. Mais est-ce que vraiment ça va fonctionner là, ce que tu me racontes? Je suis en train de me poser la question. Je suis en train de me poser la question. Déjà, je peux pas parce que j'ai pas de support là-haut. Ah si, j'ai des supports au milieu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez. C'est surtout... Voilà, si je mettais un support par exemple là-haut, là, ici, normalement je pourrais enlever la poutre là. Ok, attendez, on va, de toute façon on est là pour essayer. D'accord. Hop, je prends ma petite hache, je coupe en deux. Et de toute façon je vais vous poser une question capitale dans un instant. D'abord j'essaie juste le truc d'Eliott. Mais je vais vous poser une question capitale. Et là vous allez dire, mais Mkolo il change d'avis tout le temps. Et vous avez raison. Ok. Et là, je ne peux quand même pas l'enlever. Bah oui. Ça paraissait presque logique. La maison est tellement grande en plus, justement. Alors attendez. Par exemple, si je faisais ça, là normalement je peux enlever ça. Même pas. Donc en fait ça ne change rien, je peux plus. Ok. Alors voilà ma question. Ma question est la suivante. Je me sens con hein, de vous poser la question parce que voilà, le mec est indécis. Voilà. Mais il faut. Il faut se remettre en question dans la vie des fois, d'accord? Alors ce que je vais faire, juste faire du bois de chauffage maintenant que j'ai usé du bois pour l'idée d'Eliott. Il a bien raison, Eliott, de m'avoir suggéré cette solution pour enlever les poutres. Moi j'ai une autre solution, une solution radicale. Mais une solution qui devrait plaire peut-être à tout le monde. Et en plus c'est fun. Je pense que vous avez peut-être compris où je veux en venir. Ou peut-être pas, mais vous allez très vite comprendre. Mon idée...
Sachant que là, il faut vraiment qu'on se mette bien. J'ai pas une carapace de tortue sur moi, non, dommage. Faut vraiment qu'on se mette bien. Hein. Vraiment, là, l'idée, c'est de se mettre bien. On a rien d'autre à faire pour le moment. Je sais plus c'est quand la prochaine mise à jour. Est-ce que le prochain patch, c'est déjà mercredi, jeudi, là? Je sais pas du tout. Bref, mon idée, parce que c'est vrai qu'on a dit que... Et vous avez raison. Alors bon, il y en a qui l'ont dit d'une manière un peu moins fun. Qui m'ont dit que voilà, la maison est dégueulasse. Que la maison est tellement grande pour rien, c'est tellement nul. Voilà, on m'a dit c'est nul. Et on m'a dit gentiment aussi que... Attends, hop, je vais mettre les pierres, voilà. On m'a dit gentiment aussi que ça ressemble quand même à un conteneur, quoi, de voilà. Oui, il n'y a pas encore le toit, mais c'est vrai que même avec le toit, ça va ressembler à un conteneur, le bordel. Alors voilà, mon idée serait d'exploser la maison. Voilà, ce serait fun en plus, hein. Clairement, c'est fun. Je vais pas le faire maintenant, je vais attendre vos avis. Alors là, c'est le petit sondage que je vous fais, mais voilà. On va exploser la maison, on va récupérer les bûches. Normalement, on va en récupérer une bonne partie. Je vais sauvegarder tout ce qu'il y a à l'intérieur, je vais mettre ça dehors, évidemment, hein. Comme ça, au moins, on n'aura pas besoin de tout reconstruire. J'explose la maison et j'en fais une petite cosy, comme il faut, quoi. Mais vraiment une belle petite maison toute mignonne. Qui, alors du coup, voilà, je m'enflamme un peu. Mais oui, à ce moment-là, en fait, ouais, mais si je l'explose, le problème... Parce que je pense que j'aimerais bien laisser cette plateforme-là, là. Vous voyez ce que je veux dire? Laisser cette plateforme-là, parce qu'en plus, déjà, je me suis cassé la tête à faire ces poutres-là, ici, je vous jure. Ce qui permettrait d'avoir la maison là-haut et en petit format, tout mignon. J'ai vraiment vu des images sur internet qui m'ont donné de l'inspiration. Maintenant, à voir si je suis capable de reproduire ça, c'est ça le challenge. Ce serait beaucoup plus cosy, beaucoup plus simple en plus à faire dans un sens en termes d'économie. Et puis on serait bien quoi. On serait vraiment, vraiment bien pour le coup. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Vous me dites oui, j'explose la maison. Et vous me dites non, bah ça me ferait chier. C'est le principe de la démocratie. Mais. En tout cas, voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes chaud. Parce qu'en fait, je me disais, ça sert à rien de vouloir refaire une petite maison à côté. Parce qu'on a la grande maison, elle sert à rien. En plus, du coup, ça gâche la vue. Autant détruire et repartir sur une petite maison toute mignonne. Donc, pas carré, pas forcément carré. Mais en tout cas, on verra comment on fera. Sachant que maintenant, avec les nouveautés, on a des nouvelles façons de faire les constructions. On peut utiliser un petit mélange de pierres. Et puis surtout, bah, de toute façon, on peut que se concentrer là-dessus. Parce qu'on n'a rien d'autre à faire pour le coup. Pour le moment, je verrais bien déjà un sol en pierre. Je vous le dis, le sol sera en pierre. Et ça, ça va être vraiment génial. Voilà, le sol sera en pierre. Pour vous montrer un petit peu, autant commencer maintenant. Enfin, on va pas commencer maintenant, justement, je peux pas. Mais pour vous montrer le potentiel, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors, déjà, ça marche pas. Ok. Est-ce que ça, c'est considéré comme un sol? Non, je sais. Je sais pourquoi. Alors en fait, ce qu'il faut faire. Mais oui, quel con. Ce qu'il faut faire d'abord, ce sera le pattern. Comme ça. Bon, je vais enlever juste après. Hein, mais c'est juste pour faire la démonstration. De toute façon, j'ai bien compris que pour construire une maison, il faut réfléchir en amont. Hein. C'est comme dans la vraie vie. Parce que là, vous avez vu, je me suis quand même retrouvé avec des contraintes. Et je veux plus me retrouver avec des contraintes. Moi, je veux être libre de faire comme je veux. Et là, normalement, dedans. Toujours pas. Ah si. Ah ouais, c'est ça, voilà. Donc là, en plus il y a plein de pierres et tout qui repop à côté. Franchement, en vrai, ce sera quand même beaucoup mieux. Et voilà, et là ça va me faire un petit plancher en pierre. Voilà, dans l'idée. C'est quand même assez sympa. Bon, ce qui est dommage c'est que la pierre est un peu moussue. Il y a un petit peu de mousse dessus. Ça me donnerait pas spécialement envie de marcher pieds nus à l'intérieur de la maison. Enfin, ouais, ça dépend. Si en vrai c'est sympa quand même. Vous voyez un peu l'idée? Alors ça va pas ressembler à un temple hein, je vous rassure, c'est pas un temple, mais c'est juste pour le sol. Ça change quand même d'avoir du bois partout. Après on verra pour les murs comment on fera, mais comme dit, ce sera beaucoup moins imposant, ce sera beaucoup plus mignon. Donc dans tous les cas, peu importe avec quel matériau tu fais, ça va être quand même très cosy. Non. Là. Voilà, vous voyez. Non, ça peut être vraiment très 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 sympa pour le coup. Donc voilà un petit peu, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît dites oui, qu'on détruise la maison. Et puis on va faire ça évidemment en vidéo hein, vraiment prochain épisode construction. Et puis je crois que la prochaine mise à jour ce sera mercredi hein, si je dis pas trop de bêtises qui arrive là. Donc du coup la semaine prochaine il y aura déjà des nouveautés. Enfin on verra, rien n'est dit, rien n'est sûr. En tout cas les amis, je vous embrasse, plein de bisous. N'oubliez pas le pouce bleu, très important pour m'encourager. Et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite de cette incroyable aventure. C'était Mkolo, je vous kiffe. Ciao tout le monde.